Bonjour mes petites Ursules, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour s'ouvrir le calendrier de l'Avent numéro 23. Là, il y a un petit instru qui s'est mis dans ma vidéo. Ça c'est parce qu'il veut son calendrier l'année prochaine. Il veut voir les commentaires de la précédente vidéo. Allez, on va s'ouvrir la case 23 du calendrier Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. La case numéro 23, elle est tout dans le fond du château, juste ici. Voilà. Je cherche après la petite porte. Elle est juste là. Hop, 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 hop. Oh, c'est le... Oh, c'est le... Comment ça s'appelle ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. Avec la baguette dedans. Dites-moi en commentaire si vous savez le nom. Voilà, comme ça vous voyez bien. Focus veut bien se faire comme ça. Voilà. Oh, il est trop beau, vous voyez bien. Je ne sais plus du tout, du tout, du tout. Je vais faire ça là, comme ça je ne vais pas perdre tout. Allez, ouvre-toi. C'est par là. Hop. Et il se met comme ceci. Je vous montre juste après. On va pouvoir bientôt le mettre. Hein. Voilà comment ça se donne maintenant avec tout. Vous voyez, tout est dessus. Tout ce qu'on a eu est dessus. Enfin, tout dessus, non, parce qu'il n'y a pas les colliers, il n'y a pas les boucles d'oreilles. Voilà. Mais on pourra bientôt le mettre. Ça va faire un joli bijou. Hein. Regardez, ça va te faire un beau, joli bijou. Vous voyez à peu près tout. Voilà, le 9-3-4, les lunettes de Lola Lovegood, un truc comme ça. Là, la petite éclair d'Harry Potter. Ça, c'était une balance. Ça, je sais vraiment pas c'est quoi. Un petit cœur en parfum. Le chapeau. Le petit Dobby qu'on a eu avant, le chapeau, le petit Dobby, la petite flèche là, et celui qu'on vient d'avoir. Puis toutes les petites boules où il est marqué des petites comptations. Voilà, du coup on va continuer quand même avec la case 23, Toum Toum, qui est juste ici. Voilà, il est marqué Toum Toum dessus, qui on va avoir aujourd'hui. J'ai mis ma... Je sais pas si vous allez voir, j'ai mis Alice aujourd'hui, Alice, ma petite Alice. Je sais pas ce qu'on va avoir. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Hop là. Oh oui, c'est lui. Je pensais qu'on aurait pas à la... avant la fin. Oh, il est trop beau. Je sais pas dans quoi il est par contre. Oh, petit Stitch. Tu sais que je t'adore, toi. Regardez, ça, il est trop beau. J'aurais dû mettre mon t-shirt Stitch. Avec son petit bonnet. Trop mignon. Et là, il est dans une... boule de neige, je pense. Voici, voilà, voilà, il est trop chou. Oh, il est trop chou. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh oui, toi, je te voulais bien. Ah, c'est pas le même. Du coup, les amoureux se sont retrouvés. Mmh. Oh, je peux pas faire ça. Voilà. Moi, il est trop beau, mon préféré de la bande. Non, j'ai mon Tigrou quand même. Tigrou et lui, c'est mes deux préférés. Je suis fan. Voilà. Hop. Rentre. Et ben voilà. C'est déjà tout. Allez, on se retrouve demain pour la dernière case du calendrier de l'Avent. J'espère que toutes vos préparations de Noël sont presque prêtes. Est-ce que vos repas sont déjà presque en préparation, parce que certains viennent mijoter les petits trucs, les courses. Est-ce que toutes les courses sont faites? Est-ce que vous avez fait tous les cadeaux de Noël? Est-ce que le Père Noël passera? Qui a été sage? Qui ne sera pas sage? Dites-moi en commentaire qui aura quel cadeau. Ça me ferait plaisir de savoir. Enfin, vous n'aurez pas encore vos cadeaux. On le saura que le 24 ou le 25 pour ceux qui ouvrent. Dites-moi quand vous ouvrez les cadeaux, le 24 après minuit ou le 25 au matin. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Allez, moi je vous dis à demain pour la dernière, avant-dernière, enfin, pour la dernière case. Bye bye, à demain tout le monde.